Mais d'autre part, il faut mentionner la grande amitié qu'il avait pour notre communauté au Brésil des mathématiques, et même particulièrement l'INPA, où elle était honorari professor, professeur honorario, et ça continue in memoria. Je raconterai, oh, maybe I go to English. I'll tell you a brief way the trajectory of Jean-Christophe with respect to Brazil, particularly Rio de Janeiro, the beaches of Rio that he loved, and and the Institute for Pure and Applied Mathematics. The history of this strong relation begins in 1980. In the winter of 1980, I was visiting Paulo. I was visiting IHS, the Institut des Hautes-Études Scientifiques, and also Albert Fatty, that was with us a few moments ago. Albert Fatty and myself, one morning, talked about an excellent student of Michel Herman, Jean-Christophe Yocotes, who would soon give a talk at Orsay next door. That was the first occasion that I met Jean-Christophe. His talk at Orsay was so impressive that I immediately invited him to visit IMPA. In 1981, Jean-Christophe goes to IMPA, and a wonderful creation of the French government was to do, had to do with military service by young people in other countries. And that was the case of Jean-Christophe. He was serving his military service, and at the same time was a full visitor of IMPA. Etienne Gis was already there under the same wonderful creation of the French government, also serving his military service, the French military service. Of course, we loved that too, but we never convinced our government of such a beautiful idea. 1980, the first joint works by Jean-Christophe and myself were on centralizers of diffeomorphisms. We proved for typical diffeomorphisms in several dynamical contexts that their centralizers are trivial. That is, if phi is such a diffeomorphism and psi is another one, such that phi composed with psi is equal to psi composed with phi, so they commute, then psi is an iterator of phi, so it's phi to the k for some k in z. 1990, the master thesis of Carlos Gustavo, who is now here, everybody knows him as Gugu, a wonderful guy,
when he was just 16 years old, he did the master thesis with me as his guide. And it was based on a work by Nancy Coppell that had proven, working with Steve Smale, that centralizers of typical diffeomorphisms of the circle are trivial. 1990, the third joint paper by Jean-Christophe and myself, a complete set of invariants for differentiable conjugacies of the so-called Moss-Smale diffeomorphisms were achieved. The Moss-Smale diffeomorphisms form an important class of dynamical systems which exist in any compact manifold, and such systems are structurally stable, as proven in my PhD thesis in low dimensions and by Steve Smale and myself in general. The later collaboration of myself and Gugu with Jean-Christophe was related to fractal geometry and homoclinic bifurcations. Homoclinic bifurcations, to be defined in a while, are perhaps the most important mechanisms that create complicated dynamical systems from simple ones. Rien n'est plus propre à nous donner une idée de la complication du problème des trois corps et en général de tous les problèmes de dynamique. That was a sentence by Henri Poincaré, La méthode nouvelle de la mécanique céleste. Incidentally, I was visiting the famous Institute Metagrafa near Stockholm, invited by Lennart Carlsson about 1990. I would say again the spring of 1990. When visiting the Institute's library one morning, I looked for papers by Poincaré. Poincaré at one point became a god to me. He still is. And had the impression of seeing two versions of one of his articles on dynamics. I think there is a photo with where the Institute was. Much later, he wants me to hurry up. So I'm about to finish. Much later, I became aware he's a wonderful guy, but he's nervous. Much later, I became aware of the prize given to Poincaré by King Oscar II of Sweden. In fact, there were two versions of Poincaré's work presented for the prize. A mistake was detected by the Swedish mathematician Pragman in the first version. Poincaré rewrote the paper, including the quotation above, calling the attention to the great complexity of dynamical problems related to homoclinic intersections, let's say bifurcation. We refer to the paper in a Heure Féconde du mathématicien Henri Poincaré that was published in the Gazette des Mathématiciens, volume 107. By Jean-Christophe describing such an event. Homoclinic bifurcations
too late. At this point, it's important to mention the notion of hyperbolic systems introduced by Smale in the 60s. By the way, he was my advisor in Berkeley. He defined the hyperbolic systems after a global example provided by Anosov, namely the diffeomorphism fxy equal to x plus y, comma x plus y, module 1, of the torus T2 R2 over Z2. Smale's horseshoe, a basic model for the hyperbolic set, and in fact, the hyperbolic theory of dynamics. So you imagine, say, a square or a rectangle, and you shrink by some proportion, say, the horizontal line, and expand the vertical one, and then made it to hit back like a horseshoe. Homoclinic bifurcations become important when going beyond the hyperbolic theory. In the late 60s, Sheldon Neuhaus combined the homoclinic bifurcations with the complexity already available in the hyperbolic theory and some new concepts in fractal geometry to obtain dynamical systems far more complicated than the hyperbolic ones. Ultimately, this led to his famous result on the coexistence of infinitely many periodic attractors. Later on, Floris Takens and myself developed these techniques combining fractal geometry and dynamical systems. In our work on hyperbolicity or lack of it, near homoclinic bifurcations. This will be discussed later in much more details. Gugu met Jean-Christophe, now Jean-Christophe comes to the picture, around 1992, introduced by myself, his advisor, when he was a PhD student at IMPA. His thesis concerned a conjecture by myself on regular Cantor sets. There will be precise statements and definitions later. In his thesis, Gugu made some good progress on the question. Gugu? After his PhD concluded in 1993, he came to Paris for a postdoctoral program under the guidance of Jean-Christophe Yocos at the Université de Paris Sud d'Orsay for the academic year 1994-1995. In this period, the original conjecture was fully proven, as we shall discuss later. I want to add that Jean-Christophe was take over. Obrigado. Fica aí que vai estar lá no fim. Alors, oui, bon, on va parler alors plus précisément, plus techniquement de quelques concepts de géométrie fractale et de bifurcation homocline, non?
On commence par la bifurcation homocline. Peut-être avec le premier, un des problèmes plus naturels sur bifurcation homocline, que c'est l'étude des explosions homoclines dans la surface, non? Dimension 2. Alors, on considère une famille paramétrisée, un paramètre réel, FIMI, de diffeomorphisme d'une surface pour lequel, pour la valeur négative du paramètre, le système est uniformément hyperbolique, stable, disons, structurellement stable. Dans le premier paramètre de bifurcation, on a une première tangence homocline, une tangence quadratique, générique, phi 0, associée à un fer à cheval, et ou même peut-être un fer à cheval ou un point périodique hyperbolique isolé, mais dans les cas plus intéressants, c'est un fer à cheval. Et pour de valeur positive de mi, la tangence est développée et il provoque la création de deux points homoclines transversaux près de la tangence originale. Et la question est qu'est-ce qu'on peut dire du système pour, disons, la plupart des valeurs positives petites du paramètre. Bon, on a une figure. Ça, c'est la situation pour mi égale à zéro dans le premier paramètre de bifurcation. On a cette tangence-là, ce point de tangence quadratique, c'est une première tangence homocline. Avant, pour valeur négative de mi, il n'y a pas de tangence. Le système est uniformément hyperbolique. On a une première tangence. Et pour des valeurs positives petites de mi, la figure quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ça se développe génériquement avec vitesse positive en termes de paramètres. Alors, on a la création de plusieurs intersections transversales ici. Non? Voilà. Bon, là, aussi, un autre. Notre sujet important pour décrire nos travaux, sont relationnés avec la géométrie fractale. La géométrie fractale apparaît naturellement dans ce contexte-là, en particulier parce que un fer à cheval lui-même est un fractal, semble localement le produit de deux ensembles de Cantor. Alors, pour mesurer les fractales, c'est naturel d'introduire quelques conseils de dimension fractale. On a le conseil le plus. La dimension fractale le plus élémentaire, c'est probablement la box dimension. Je crois qu'on dit capacité limite en portugais, peut-être capacité limite, mais je ne sais pas. Bon, c'est relationné avec. Couvrement d'un espace compact par un nombre fini de boules petites, de boules, disons, de rayon R. Et N de R est le nombre minimum de balles de rayon R nécessaires pour couvrir, de balles de rayon R nécessaires pour couvrir l'espace. Et, très souvent, ce nombre minimal de boules est à peu près proportionnel à 1 sur R à la D pour quelques constantes positives D. Et CD, ce nombre D-là, est la capacité limite de l'ensemble X. Plus précisément, la upper box dimension, alors la capacité limite supérieure, est donnée par cette formule-là, lim sup de log de N de R sur modulo de log, valeur absolue de log R, qui est moins log R. Bon, voilà. On travaille plus souvent, en fait, avec la dimension de Hausdorff, qui a une définition un peu plus compliquée. La différence principale est que, pour la définition de dimension de Hausdorff, on travaille avec de couverture, de balles de n'importe quel rayon positif, qui est la taille de balle n'est pas toujours la même chose. On peut constater le couvrement par des balles n'importe quelle, à la condition que toutes les balles sont petites. Et dans le box dimension, toutes les balles ont la même taille. Alors,
Mais de toute façon, pour les ensembles qu'on va considérer essentiellement tout le temps, ces deux concepts coïncident, c'est-à-dire pour le fer à cheval, les ensembles de cantons réguliers qu'on va considérer, la dimension de Hausdorff coïncide avec la capacité limite, alors ce n'est pas nécessaire de faire la définition précise maintenant de dimension de Hausdorff. Le temps est borné, alors on va de suite à une discussion sur l'ensemble de cantons réguliers, qui sont d'autres personnages importants de cette histoire. Ce sont des ensembles hyperboliques de dimension 1, c'est-à-dire des ensembles qui sont définis par des fonctions expansives, par des fonctions avec dérivés plus grands que 1. Et ils ont aussi une certaine propriété de autosimilarité. Une partie petite d'un ensemble de cantons réguliers est toujours diffeomorphe avec distorsion bornée, ça c'est important, à des parties plus grandes, des parties dans une escale constante du même ensemble de cantons. Ces ensembles apparaissent naturellement en dynamique, mais aussi en quelques problèmes de nombre de théorie relationnés aux fractions continues. On va toucher un peu ce problème dans un certain moment, mais ici je mentionne que l'ensemble de cantons le plus populaire, que l'ensemble de cantons usuel ternaire, non, qui sont le nombre de l'intervalle 0,1 qui ont seulement 0 et 2 en base 3, est lui-même un ensemble de cantons régulier qui est défini par cette transformation psi. Donc, 3x pour x entre 0 et 1 tiers, et 3x moins 2 entre 2 tiers et 1. Alors, c'est une dynamique qui définit l'ensemble de cantons usuel, c'est-à-dire l'ensemble de cantons usuel, c'est l'ensemble de points dans l'intervalle 0,1 pour lequel on peut itérer cette fonction une infinité de fois sans jamais tomber dans les trous entre 1 tiers et 2 tiers où la fonction n'est pas définie. Ça donne le même ensemble. Et bon, un fer à cheval, en général, généralisation d'un fer à cheval, c'est un ensemble hyperbolique totalement disconnexe dans une surface. C'est toujours localement diffeomorphe un produit cartésien de deux ensembles de cantons réguliers. Ils sont, disons, l'ensemble de cantons stable et instable du fer à cheval, qui sont des intersections du fer à cheval avec de variétés stables et instables locaux. La dimension du Hausdorff du fer à cheval, est la somme de dimensions de l'ensemble de cantons stables et de l'ensemble instable. Et cette dimension de Hausdorff du fer à cheval a un rôle très important dans la prochaine discussion. On commence par décrire le théorème de Jacob avec Florestak, c'est un théorème classique dans le sujet, on a montré 83, mais c'est Paris, je crois, en 87, en Annals of Mathematics. C'est un théorème qui dit que si on considère une explosion homocline comme avant associée à un fer à cheval petit, et petit ici veut dire que la dimension de Hausdorff du fer à cheval est plus petite que 1, alors pour la plupart des paramètres positive, pour la plupart des valeurs positives demi, le système correspondant est hyperbolique encore. Même après la bifurcation, pour la plupart, dans le sens de qu'on a densité de Lebesgue totale d'un mi égal à 0, pour la plupart des paramètres proches de 0, le système est uniformément hyperbolique, même après la bifurcation. Voilà. Et bon, un fait fondamental qui est utilisé dans cette démonstration est le fait que si on a deux ensembles de cantons réguliers dont la somme de dimension de Hausdorff est plus petite que 1, alors sa différence arithmétique, qui est définie comme l'ensemble de toutes les différences, x moins y, avec x en k1 et y en k2, ça peut être aussi interprété comme l'ensemble de valeur de t, l'ensemble de translation de l'ensemble K2 qui intersecte K1. Alors, oui, je ne veux pas résister à faire ça avec la main.
Si la somme des dimensions de Hausdorff est plus petite que 1, alors cette différence arithmétique est aussi un ensemble petit, un ensemble de dimensions de Hausdorff plus petit que 1, et alors de mesure de Lebesgue 0 dans la droite. Ça veut dire que là, pour la plupart des translations, la plupart des translations de deux ensembles de Cantor a intersection vide dans ce contexte-là, si la somme des dimensions est plus petite que 1. Bon. Oui, dans l'autre direction, on a le théorème classique de Marstrand de 1954, je crois, qui dit que si la... Bon, d'une chose plus générale, si on a un ensemble dans le plan de dimension plus grand que 1, alors presque toute projection dans la droite à mesure de Lebesgue positive. En particulier, pour des produits, si on applique ça pour des produits cartésiens d'ensemble de Cantor réguliers, on trouve que pour presque toute valeur de lambda réelle, la différence arithmétique K1 moins lambda K2 à mesure de Lebesgue positive. C'est-à-dire que typiquement, dans un certain sens, ce résultat est faux si la somme de dimensions est plus grande que 1. Non? Précisément dans ce sens-là. C'est-à-dire que la différence arithmétique, typiquement, a mesure positive. Mais pour les applications, on voudrait savoir si la différence a antérieure non vide ou pas. Ça, c'est une question plus délicate, comme on verra. En fait, Jacob a conjecturé, et 83, que typiquement, en fait, l'énoncé initial de la conjecture, c'était quelque chose comme si tu as deux ensembles de Cantor réguliers, typiquement, soit la différence des ensembles à mesure nulle, à mesure zéro, ou bien la différence contient des intervalles non triviales, ou bien la différence antérieure non vide. Et face à ces résultats antérieurs, bon, on sait que toujours quand la somme des dimensions de Hausdorff est plus petite que 1, la différence à mesure zéro, alors ça est à peu près équivalent à dire que typiquement, si la somme des dimensions est plus grande que 1, la différence arithmétique va avoir antérieure non vide. Et, bon, une autre motivation, bon, une motivation naturelle pour cette conjecture, c'était le résultat de Sheldon-Neuhaus dans la fin des années 60 et pendant les années 70, qui a donner des exemples ouverts, des exemples persistants de tangences homoclines qu'on ne peut pas détruire. Il a donné des exemples ouverts, par exemple, d'explosions homoclines dans le sens précédent, pour lesquelles, pour toute valeur positive petite du paramètre, il y a de nouvelles tangences homoclines entre la variété stable et instable du fer à cheval original. Alors, si on a tangence homocline, ça c'est une interdiction pour hyperbolicité, pour stabilité. Alors, dans ces exemples-là, pour toute valeur positive petite de paramètre, le système n'est pas hyperbolique. Alors, la conclusion du théorème de Pallister-Atkins est complètement faux dans ces cas-là. C'est-à-dire il y a aucun paramètre positif petit pour lequel le système est uniformément hyperbolique. On verra que ce n'est pas la fin de l'histoire dans quelques minutes. Mais de toute façon, ces exemples, pour faire ces constructions, Sheldon Neuhaus a créé cette notion-là d'épaisseur d'un ensemble de Cantor. C'est un autre type de dimension fractale, disons. Et si le produit des épaisseurs de deux ensembles de Cantor réguliers est plus grand que 1, alors la différence arithmétique sera une union finie d'intervalles. C'est-à-dire qu'ils vont intersecter toujours, au moins que le convex rule dans des ensembles contenus dans un trou de l'autre ensemble. C'est-à-dire.
Mais alors, s'ils ont quelques possibilités d'intersecter, ils vont intersecter si le produit des espèces R est plus grand qu'un. Par contre, cette condition sur les espèces R, ce n'est pas dense dans la région dont la somme des dimensions de Hausdorff est plus grand qu'un. Alors, il avait un grand trou noir dans le milieu, on ne savait pas si la différence typiquement contenait des intervalles ou pas. Et ces problèmes sur différences arithmétiques et sommes arithmétiques d'ensemble de Cantor ont été considérés aussi dans le cadre de théorie des nombres. Il y a un papier aussi dans Annals of Mathematics en 1947, Marshall Hall a démontré que si on considère l'ensemble de nombres réels pour lesquels dans la fraction continue, à la possible exception de la partie entière, tous les autres coefficients sont bornés par 4, sont seulement 1, 2, 3 ou 4, alors n'importe quel nombre réel est la somme de deux nombres réels comme ça. Alors, bon, c'est une conséquence de ce fait-là sur l'addition de deux ensembles de Cantor, en fait, d'ensemble de Cantor avec lui-même. L'ensemble de Cantor, dans ce cas-là, cet ensemble C de 4, que c'est l'ensemble, justement, de nombres de l'intervalle 0, 1, qui ont seulement 1, 2, 3 et 4 dans la fraction continue. En certain sens, c'est un peu analogue à l'ensemble de Cantor usuel, c'est l'ensemble de nombres d'intervalles 0, 1, qui ont seulement 0 et 2 en base 3, c'est-à-dire. Ici aussi, on a un nombre fini de possibilités pour les algorithmes dans une certaine représentation, dans ce cas-là, dans fraction continue. Mais c'est encore un ensemble de Cantor régulier, et la somme arithmétique est un intervalle. Il a développé des techniques un peu pareilles à Neuhaus. Neuhaus n'était pas au courant de ces résultats. Ça, c'est plus faible. Bon, il a fait quelque chose pareil à l'écart dont les deux épaisseurs sont plus grands qu'un, dans un certain sens. Mais bon, allons. Ça a une conséquence intéressante dans l'étude des approximations diophantiennes. Ça implique que le spectre de Lagrange classique, bon, on va parler de cet ensemble dans quelques minutes, contient toute une demi-droite, tout un populaire rayon de Hall. Alors, bon, oui, on va parler dans quelques minutes de ça. De toute façon, avant de faire ça, je vais mentionner deux papiers en collaboration de Jacob avec Jean-Christophe sur ces problèmes relationnés à cette conjecture de Jacob. Le premier est paru dans Acta Mathématica, je crois que 94 ou quelque chose comme ça. Il dit que c'est une réciproque partielle au théorème de Palestakis. Il dit que si on considère des explosions homoclines associées à une fer à cheval avec dimension plus grande qu'un, mais là, il considère, dans un certain sens, une famille à un paramètre d'explosion homocline, c'est-à-dire une famille à deux paramètres de diffeomorphisme. Et il montre que, dans ce cas, pour presque toute valeur du deuxième paramètre, si on considère l'explosion homocline correspondante, on aura densité positive de tangence dans la première valeur de bifurcation, c'est-à-dire on n'a pas densité totale d'hyperbolicité comme dans le résultat de Palestakis. Alors, la conclusion de Palestakis est fausse typiquement si la dimension du fer à cheval est plus grande qu'un. Et aussi, ils ont travaillé directement sur la conjecture de Jacob pour des ensembles de Cantor réguliers. Ils ont montré que densément, dans la région dont la somme de dimensions de Hausdorff est plus grande qu'un, la différence arithmétique de deux ensembles de Cantor réguliers aura un intérieur non vide. Plus précisément, si on a deux ensembles de Cantor réguliers dont la somme de dimensions de Hausdorff est plus grande qu'un, on peut appliquer un diffeomorphisme arbitrairement proche de l'identité à un des ensembles de Cantor, de façon que la différence arithmétique est antérieure non vide, alors en particulier densement dans la région dont
somme de dimensions plus grande que 1, la conjecture de Jacob est vraie aussi. C'est pas une surprise que le théorème de Mastrin a un rôle important dans ces deux résultats et aussi dans le résultat que je vais décrire maintenant. Alors, oui, bon, il y a une définition un peu évidente d'intersection stable des ensembles de Cantor réguliers. Une intersection stable, une intersection qu'on ne peut pas détruire, même en changeant un petit peu la dynamique qui définit les ensembles de Cantor réguliers. On ne peut pas détruire en faisant des translations petites ou en appliquant un diffeomorphisme proche de l'identité, mais aussi en changeant la dynamique. Alors, si on a cette situation, on dit que les deux ensembles de Cantor ont intersection stable. Et si deux ensembles de Cantor ont intersection stable, évidemment, la différence arithmétique aura intérieur non vide, parce que 0 appartient à l'intérieur de la différence arithmétique. N'importe quelle translation petite, ils ont intersection non vide. Mais appartient d'une façon stable, d'une façon persistante. Pour n'importe quelle paire d'ensemble de Cantor proche, 0 appartient aussi à l'intérieur de la différence arithmétique. Bon. Alors, la notion d'intersection stable a de conséquences pour l'étude de bifurcation homocline. Essentiellement, si dans une explosion homocline, les ensembles de Cantor stables et instables du fer à cheval ont quelques translations avec intersection stable, alors on a densité positive de Lebesgue des tangences homoclines persistantes, c'est-à-dire on a un ouvert dans le paramètre avec densité positive en mi égale à 0, correspondant à des tangences persistantes, des tangences stables. Et comme Jacob avait dit, on a démontré en fait une version forte. Maintenant, évidemment, je n'ai pas pu résoudre la conjecture de Jacob dans ma thèse, mais j'ai fait quelque chose. Mais après, j'ai fait un post-doc avec Jean-Christophe. Et bon, à cette époque-là, j'étais un peu jeune. À l'INPA, il laisse n'importe qui faire des courses de maîtrise ou de doctorat. C'est-à-dire, c'est pas un institut très formel dans ce sens-là. Alors, j'étais à l'école, je suis allé à faire des cours à l'INPA. Et après, Jacob, j'avais de la chance parce que Jacob m'a donné des problèmes et après m'a fait entrer formellement dans le doctorat de l'INPA. Mais j'étais un peu un garçon quand je suis venu à Paris et j'ai eu beaucoup de la chance de travailler avec Jean-Christophe parce que vous voyez, j'étais très jeune, je travaillais avec Jean-Christophe. C'est exactement l'époque quand Jean-Christophe a gagné la médaille Fields. Il a gagné la médaille Fields 2 mois après que je suis arrivé pour le postdoc en France. Mais je pouvais discuter des mathématiques et beaucoup d'autres choses avec lui. Comme si je parlais avec un collègue d'école, c'est-à-dire il était très informel, très ouvert. Alors on pouvait discuter de manière. Je pouvais même disputer, je pouvais parler. Non, Jean-Christophe, moi j'ai la raison, toi pas. Tu t'assois, je vais montrer. J'allais au tableau et c'était très très tranquille. Et après, on jouait des échecs. C'était même on travaillait en portugais. C'était aussi une chance pour moi. Bon. On a donné une solution forte pour la conjecture de Jacob. On a démontré non pas seulement que typiquement la différence arithmétique de deux ensembles de Cantor dont la somme de dimensions de Hausdorff est plus grande qu'un à l'intérieur non vide, mais on a montré que en fait il y a un ouvert et dense des paires d'ensembles de Cantor avec somme de dimensions plus grande qu'un. Pour lequel, si on a un paire d'ensemble de Cantor dans cet ouvert et dense, alors il y a plusieurs translations qui ont intersection stable, que c'est
plus fort que ça. En particulier, ça implique la différence antérieure non vide. En fait, la différence arithmétique, dans ce cas, est la clôture de son antérieur. Et l'intérieur à mesure totale dans la différence arithmétique. Alors, ça a des conséquences plus fortes. Même la frontière a une dimension plus petite que 1. Et cet ensemble est aussi grand dans un certain sens de mesure, dans le sens que famille générique a n'importe quel nombre fini de paramètres qui sont contenus dans oméga, que c'est l'ensemble de paires des ensembles de Cantor réguliers dans la somme de dimensions de Hausdorff est plus grand que 1. Si on a une famille, un nombre fini de paramètres qui est contenu là, alors pour des familles génériques, comme ça, l'image entière est contenue dans cet ouvert U. Ça veut dire un peu que le complémentaire oméga moins I a codimension infinie, oméga dans un certain sens. Alors c'est typique dans un sens très fort que la différence contient des intervalles. Bon, oui, la démonstration n'est pas facile, mais on a introduit quelques concepts qu'on peut mentionner. Ça dépend d'une certaine théorie de renormalisation pour des positions relatives des géométries limites des ensembles de Cantor réguliers. Mais alors, on a une condition. S'il y a un ensemble compact récurrent des positions relatives, alors on démontre l'existence des intersections stables comme dans l'énoncé précédent. Alors, pas de temps de définir les choses précisément, mais c'est ça. C'est-à-dire, on a renormalisation, on prend des pièces petites des ensembles de Cantor et on les augmente, on le voit avec une loupe dans un certain sens. Un autre paire de positions relatives. Et s'il y a un ensemble de compas récurrents, alors il y a des intersections stables. Alors la question est construisez, c'est de faire la construction, de démontrer que typiquement il y a ce genre de compas récurrents. Et pour ça, on a utilisé, dans un certain sens, la méthode probabiliste de R2, qui a origine en combinatoire. Alors, on ne construit pas précisément quelles sont les perturbations qui vont avoir un compact récurrent, mais on construit une famille de perturbations avec plusieurs paramètres et on montre que pour la plupart des paramètres, le système correspondant à un ensemble compact récurrent dans le sens précédent. C'est-à-dire, alors, c'est un peu l'application de méthode probabiliste de Redos dans ce sujet-là. Un lemme fondamental de ce travail, c'est le lemme de récurrence d'escale, qui dit qu'au niveau des escales, l'escale, c'est seulement la raison de taille de deux ensembles de Cantor. Et pour les escales, il y a toujours un ensemble compact récurrent de positions relatives. Et bon, pas toujours, mais presque toujours. C'est suffisant qu'un des ensembles de Cantor ne soit pas essentiellement linéaire, que c'est une condition en général pas difficile à vérifier. Et c'est le lemme de récurrence d'escale implique une formule de dimension. Le côté droit est une borne supérieure naturelle pour le côté gauche, mais la formule dit que les deux côtés coïncident. Dès qu'un ensemble de Cantor ne soit pas essentiellement linéaire, c'est-à-dire qu'on a une formule de dimension qui est presque toujours valable avec des conditions vérifiables. Et cette formule de dimension est très importante pour des résultats récents. Je vais parler très rapidement de l'espectre de Lagrange, que c'est un ensemble relationné avec l'approximation diophantienne. C'est l'ensemble de meilleures constantes d'approximation d'un nombre irrationnel, on fait varier le nombre irrationnel, et on a l'espectre de Lagrange, qui est l'ensemble de ses meilleures constantes d'approximation. Et c'est un ensemble avec une structure très intéressante. Ça commence discret. Le premier élément, son racine carrée de 5, 2 racines carrées de 2, etc. Une suite qui converge à 3. Et il contient toute une demi-droite, qui commence à 4.5 de quelque chose. Et dans le milieu, il y a aussi le spectre de Markov, c'est
ensemble pareil, mais je n'ai pas temps de le définir. Et de toute façon, on a bon. J'ai utilisé. J'ai un travail récent sur le spectre de Markov de Lagrange qui dit que si on intersecte ces ensembles avec une demi-droite et calcule la dimension de Hausdorff, ça peut être n'importe quel nombre entre 0 et 1. Ça passe par toutes les dimensions entre 0 et 1. Et c'est une conséquence, dans un certain sens. L'outil technique principal est justement cette formule de dimension qui est une conséquence du lemme de récurrence d'échelle dans ce travail avec Jean-Christophe. C'est-à-dire et en fait, c'est Jean-Christophe qui m'a montré initialement l'interprétation géométrique de le spectre de Markov et de Lagrange. C'est l'ensemble d'auteurs maximal de géodésique dans la surface modulaire. C'est une surface de courbure moins 1 très classique. Et bon, on peut généraliser tout ça, on peut généraliser ça en changeant la surface par d'autres surfaces de courbure négative, et bon, je travaille en collaboration avec plusieurs gens, en particulier avec Carlos Mateus et Aline Cerqueira sur ça, sur la généralisation de ce résultat pour des ensembles de Cantor dynamiquement définis plus général, pour le spectre de Markov et Lagrange dynamique plus général. Bon, là, c'est un dernier commentaire sur mon théorème avec Jean-Christophe. Après, on a fait un autre papier dans le premier était un analyse of mathematics, le deuxième dans l'analyse de l'école normale, sur les applications pour des bifurcations homoclines. Justement, on montre que pour les explosions homoclines associées à de fer à cheval, on a, en fait, avec des conditions ouvertes et denses, si la dimension est plus grande que 1 du fer à cheval, alors on a densité positive de tangences persistantes dans la première valeur de bifurcation. On peut aussi avoir densité positive d'hyperbolicité dans quelques exemples ouverts, mais l'union de hyperbolicité avec tangence homoclinique stable a toujours densité totale de Lebesgue dans la première valeur de bifurcation. Bon, et je vais terminer en mentionnant un travail formidable de Jacob et Jean-Christophe qui a été publié dans la publication mathématique de l'IHES. Et justement, c'est un ensemble sur bifurcation homocline, presque homocline, entre hétérocline et homocline, associé à des fers à cheval et qui peuvent avoir dimension plus grande que 1. Mais il montre justement, bon, on considère, ça c'est une figure de la situation initiale, on crée une première tangence. En fait, on va créer une tangence hétérocline, une tangence associée à des points périodiques, mais qui appartient au même fer à cheval. C'est une première tangence entre la variété stable d'un des points avec la variété instable de l'autre. Et bon, on étudie comme une explosion hétérocline dans ce cas-là, associée à cette situation. Il suppose que le système est uniformément hyperbolique, comme avant, pour la valeur négative du paramètre. Le système a cette première tangence en t égal à 0, et bon, qui se développe typiquement pour la valeur positive du paramètre, et que la dynamique est concentrée, c'est-à-dire l'ensemble limite, l'ensemble est contenu dans une union, dans l'union du fer à cheval, dans un petit voisinage de l'union du fer à cheval avec l'orbite de tangence. Bon, ça, c'est des hypothèses typiques pour les explosions homoclines ou hétéroclines. Ils ont une condition technique sur les dimensions de Hausdorff, mais qui encore peut-être peut marcher, peut-être valable, même dans les cas dans lesquels la dimension du fer à cheval est plus grande que 1. Et le résultat est qu'il arrive à comprendre la dynamique pour la plupart des paramètres positifs, dans le sens de densité totale de Lebesgue, comme avant, pour la plupart des valeurs positives du paramètre, le système est non uniformement hyperbolique, c'est-à-dire c'est encore essentiellement hyperbolique, le système n'a pas d'attracteur ni de, pour la plupart des paramètres, et il y a ce qu'il appelle un fer à cheval non uniformément hyperbolique. C'est un peu un analogue
dans cette situation, non, c'est un fer à cheval, c'est de type sel, ce n'est pas un attrater, mais c'est un peu analogue aux attraters des noms, disons, attraters étranges. On a considéré, bon, il conjecture que qu'on peut éliminer cette condition technique dans les dimensions, que le résultat doit être valable pour n'importe quelle paire de dimensions plus petite qu'un. Et bon, mais ça donne des difficultés techniques additionnelles, mais de toute façon, il croit que ça va marcher. Il croyait aussi que le résultat doit être valable en dimension supérieure. Et finalement, il croit que leur méthode peut aider à résoudre des problèmes très classiques relationnés à des systèmes conservatifs, comme par exemple montrer que pour la famille standard des diffeomorphismes du torte 2, on a exposant des Lyapunov positives pour plusieurs valeurs de paramètres, pour un ensemble de mesures positives de valeurs de paramètres. Ça, c'est une question très difficile. Selon Jean-Christophe, ça correspond un peu au cas dont la dimension de Hausdorff de lambda est égale à D, dans certains sens. On est dans le cas conservatif. Bon, c'est un travail de toute façon très impressionnant. C'est 217 pages, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment impressionnant, qui ouvre tout un nouveau sujet dans l'étude de bifurcation. Merci, je donne la parole pour la conclusion finale pour Jacob.